Hello, alors vlog un peu particulier puisque je vous ai d'abord montré ce qui s'est passé il y a quelques jours et je reviens là pour donner un peu plus de détails sur ces événements que j'ai pas beaucoup filmé, hein. J'ai pas fait beaucoup de petits films dans ce sens-là. Alors ce qui est, c'est quand je vais à un événement, je filme dans ce sens-là, je filme dans ce sens-là et je fais quelques photos. Je filme dans ce sens-là pour YouTube, je filme dans ce sens-là pour pouvoir faire un réel pour Instagram et je fais quelques photos pour pouvoir mettre en story sur le moment. Donc il s'avère que j'ai pas beaucoup filmé hein, comme ça, voilà. Mais c'est pas grave, je vais vous parler de ce que j'ai vécu ces derniers jours. Donc, mardi soir, il y avait la soirée de lancement de Sophie Talmen pour son nouveau livre « Les cœurs silencieux » chez Albin Michel et « La promesse du Nil » chez Livre de Poche. Événement en deux parties, avec une première partie chez Babelio, assez classique. Je ne sais pas si vous connaissez les événements Babelio, mais le principe, c'est que l'auteur est présent, il est interviewé par quelqu'un de chez Babelio, et les personnes présentes peuvent poser des questions, etc. Et c'est suivi d'une séance de dédicace. Donc voilà, on était sur ce format globalement classique, on va dire, de Babelio. Et ensuite, on est allé dans un bar un petit peu, enfin pas très loin, quoi, globalement à côté, avec les équipes du Livre de Poche et d'Albin Michel, accompagné de Sophie et de quelques Instagrammeurs, pour faire la fête, pour fêter davantage les sorties du coup de ces deux livres, l'un chez Albin Michel et le précédent chez Livre de Poche. Voilà. Donc c'était un petit bar avec, enfin voilà, on n'était pas très nombreux en fait sur cette seconde partie des auteurs sont passés pour fêter ça avec Sophie et notamment il y avait Julien Sandrel. Il y avait Gavin Clément-Ruiz et Lorraine Fouché. Voilà. Donc c'était très très bien. J'ai passé une bonne soirée, c'était chouette. Puis moi j'ai bien aimé le livre et j'ai apprécié vraiment discuter avec les équipes d'Albin, les équipes du Livre de Poche et avec Sophie Talmen. Voilà, donc là c'était pour cet événement-là. Jeudi soir, j'ai été invitée par Pocket à un dîner en petit comité pour fêter la sortie du livre La Chambre des Diablesses d'Isabelle Duquesnoy, donc chez Pocket. Bah ouais, parce que si je suis invitée chez Pocket, c'est parce que le livre il sort chez Pocket. Alors, c'est un livre de plus de 400 pages, historique, ça se passe en 1680, et en fait, on va être autour d'une empoisonneuse. Donc je n'avais pas lu le livre, je ne connaissais pas l'autrice, c'est assez rare hein, dans mon cas, c'est-à-dire que je fais beaucoup d'événements littéraires, vous le savez, enfin, surtout à cette période qui est une période de très très grosse sortie, donc je fais plein d'événements littéraires, je suis ravie d'être invitée à tous ces événements, souvent privés, donc je remercie énormément les maisons d'édition, énormément les auteurs pour ces moments-là, et dans 99% des cas, je connais déjà l'auteur, ou alors ça peut m'arriver de ne pas connaître un auteur, quand par exemple il y a un regroupement genre un apéro polar organisé par Pocket, eh bien trois auteurs sont présents, j'en connais deux sur trois par exemple, voilà, donc je découvre le troisième et voilà. Donc mais globalement c'est rare, enfin alors c'est rare que ce soit rare aussi parce que beaucoup d'instagrammeurs invités ont pas forcément lu l'auteur et en profitent pour découvrir. Moi c'est pas trop mon truc en fait, enfin pour plein de raisons, etc. Mais là, je vous avoue que j'étais assez curieuse, en fait, de découvrir l'autrice. Et donc, je vais dire les mêmes arguments que ceux qui viennent à 50 000 événements littéraires sans lire les auteurs. Écouter l'auteur nous donne envie de découvrir le livre. Et oui, il n'y a rien de mieux que de discuter avec un auteur qu'on ne connaît pas forcément, dont on ne connaît pas forcément les livres, pour avoir tout de suite envie de lire le livre. Isabelle Duquesnoy était hyper intéressante. Le lieu était super chouette, on a bien mangé. C'était chouette parce que, en fait, on est, comme je vous dis, il y a beaucoup d'événements littéraires, beaucoup d'événements littéraires privés, avec des Instagrammeurs qui sont pas invités, qui sont invités. Je suis désolée, je suis fatiguée. Et j'ai mal au dos. J'ai des douleurs de sciatique sans que ce soit une énorme sciatique, c'est-à-dire que
je peux encore conduire, de façon douloureuse, mais je peux conduire, enfin, je suis pas totalement immobilisée. Et puis, sur ça, je suis fatiguée, parce que c'était deux chouettes soirées qu'on finit un peu tard, et je suis plus toute jeune. Et donc, je dis n'importe quoi. Donc, non, il y a des Instagrammeurs invités, et pas des Instagrammeurs pas invités. Et donc, en fait, d'une fois sur l'autre, c'est pas les mêmes. C'est-à-dire que ceux que j'ai vus mardi soir, c'est... En fait, il n'y a aucune personne en commun entre ceux que j'ai vus mardi soir et ceux que j'ai vus jeudi soir. Voilà. Après, chaque maison d'édition fonctionne différemment, etc., etc. Et puis, il y en a qui sont invités par des Instagrammeurs aussi, mais pas à tous les événements. Ça dépend à quel point c'est en petit comité ou pas. Enfin, voilà. Bon, il y a tout un truc. et donc, le groupe d'hier était super chouette, en fait, avec des personnes que je vois peu, des personnes que je connais, mais que je vois peu, ou des personnes que je ne connaissais pas. Et les échanges étaient très chouettes. Puis, c'est toujours aussi bien d'échanger avec la maison d'édition. Parce qu'on apprend plein de trucs. Et tout, enfin voilà, moi je trouve ça toujours très très enrichissant, en fait. Et donc là, c'était passionnant. Écouter Isabelle Duquesnoy, c'était hyper intéressant. On a parlé de plein de choses, déjà passionnée d'histoire, forcément. Ça m'a vraiment donné envie de découvrir ce livre, mais pas que. Pas que de découvrir aussi ses autres livres. En fait, quand elle parlait, et je me suis vraiment fait la réflexion, et c'est assez rare, j'étais prête à noter une citation. Moi, j'ai vraiment un truc avec les citations. Je vais vous montrer. J'arrive. Hop, j'arrive. J'arrive. Bien d'avoir une chaise à roulettes, c'est un peu moins bien d'avoir une chaise à roulettes en ayant mal au dos. Alors... Moi, j'ai un truc avec les citations. Ça, ce sont des livres que j'ai lus et j'ai pas encore mis les citations dans Babelo. Voilà. Ça fait 50 fois que je vous le dis ces derniers temps, mais c'est vrai que c'est... Mais c'est parce que c'est assez nouveau. Donc, je mets les citations au cours de ma lecture. Je mets des petits trucs parce que je me dis « Oh, cette citation, elle est bien, cette citation, elle est bien. » Mais en fait, la plupart du temps, je lis avec mon téléphone qui est bloqué pour être sûre d'être concentrée sur ma lecture. Ce qui fait que je n'interromps pas ma lecture pour... mettre la citation directement sur Babelio. Et donc, je mets un petit truc. Et puis, je vous avoue qu'une fois que j'ai fini mon livre, bah, qu'est-ce que je fais? Je passe à un autre livre. Des fois, je finis mon livre, mon téléphone est toujours bloqué. Donc, en fait, je pose le livre, je prends le livre suivant. Et puis, je continue. Donc, ce qui fait que je commence à avoir un petit peu de retard de citation à noter dans Babelio. Ce qui est embêtant parce que j'ai besoin de ça pour mettre un avis lecture. Et donc, parfois, vite, il faut que je mette un avis lecture parce que je poste tous les jours un avis lecture le matin. Et le soir, je poste un réel ou des fois autre chose le matin parce que je ne lis pas un livre par jour, mais je lis plus de 25 livres dans le mois. Enfin, donc, j'ai quand même de la matière. Donc, voilà, du coup, j'ai cette organisation-là. Et donc, j'ai vraiment ce... Enfin, j'adore relever des passages dans mes livres. J'adore les noter pour m'en souvenir plus tard. J'adore sélectionner une citation et la mettre dans un avis lecture. Et si je vous parle de tout ça, c'est parce que je me demande si je suis pas dans une période de radar de citations. Enfin, là, j'ai vraiment ce truc ces derniers temps, enfin, ces derniers mois où je note énormément de citations dans ma Babelio. Beaucoup plus que ce que j'ai pu faire avant. Donc, je sais plus à combien je suis, de 1000... je sais plus combien, 1000 et quelques citations dans Babelio. Après, je suis inscrite sur Babelio depuis mars 2020. Voilà. Juste avant le Covid, juste avant qu'on soit confiné, juste avant de savoir qu'on était confiné, parce qu'il y a plein de gens qui sont arrivés sur Babelio quand ils étaient confinés par rapport à leur confinement. Il y a eu des confinements où les gens se sont globalement ennuyés. Je ne vais pas revenir sur la façon dont j'ai vécu le confinement, mais moi, je me suis inscrite sur Babelio avant qu'on soit dans la monde, sur qu'on sache tout ça, quoi. Et donc, ça commence à dater. Et donc, j'ai noté pas mal de citations. Donc, je pense que... Mais ces derniers temps, c'est encore plus fréquent. Il y a vraiment des passages qui marquent. Mais il faut dire aussi que je lis des lectures qui sont... Enfin, des livres qui sont excellents. Enfin, les sorties de cette année, elles sont dingues. C'est pour ça que j'arrête pas de vous faire des podcasts de lecture sur les sorties du moment. Parce que je les dévore. Et c'est trop, trop bien, en fait. Et j'arrive à ce que je vais vous dire. Et en fait, là, Isabelle Duquesnoy parlait et elle a dit certaines phrases
Et j'avais presque envie de les enregistrer et de les noter dans Babelio. Mais je ne sais pas où est-ce que je les aurais notées parce que c'est pas les citations d'un livre. Mais elle a dit des phrases que j'ai trouvées super belles. Et je me dis, mais si elle parle comme ça, je veux vraiment lire son livre et découvrir son écriture. Voilà. Donc j'ai hâte. D'autant plus que je vous en ai parlé sur Instagram. En disant, vous l'avez lu, c'est pas un livre que j'ai beaucoup vu passer. Faut dire que la couverture chez la couverture chez Robert Laffont est totalement différente. Mais je l'ai pas beaucoup vu passer non plus. Et en fait, je vous ai dit, ben, vous l'avez lu, vous connaissez. J'ai eu pas mal de commentaires et c'est assez rare, pas mal de réponses en message privé, etc. Me disant, je l'ai lu, mais il est excellent. Où je l'ai lu, c'est l'une de mes lectures préférées de l'année dernière. Enfin, vraiment, les compliments étaient nombreux. Donc ça me titille encore plus parce que j'ai rencontré l'autrice. Elle était hyper intéressante. C'était hyper chouette, l'histoire m'intrigue. Et en plus, vous avez des avis positifs, quoi. Enfin, j'ai pas quelqu'un qui est venu me voir en me disant « Non, franchement, j'ai pas du tout aimé. » Pas du tout. Mais ça arrive des fois. Ça, je vous l'ai déjà dit. Des fois, je vous dis, bon alors, je vais commencer ce livre. Ah bah, bon courage, parce que moi, je l'ai abandonné tellement il n'était pas bien. Laisse-moi commencer. Laisse-moi commencer le livre avant de me dire tout ça. Ah tiens, il y a des... une illustration dans le livre. C'est rigolo, c'est assez rare quand même. Hein. J'en vois pas d'autres en feuilletant comme ça. Voilà, voilà. Donc, c'était très intéressant. Très, très intéressant. Et puis, ah si, je vois une autre illustration. Bah, c'est un peu loin dans le livre, ça va spoiler, je vais pas regarder. ouais, c'est... Enfin, du coup, j'ai vraiment été ravie de cet événement littéraire, alors que, comme je vous dis, c'est peu habituel chez moi d'aller à un événement pour découvrir un auteur. Mais c'est vrai que c'est bien, c'est vrai que c'est bien aussi. Bon, c'est bien d'aller à un événement quand on connaît l'auteur. Enfin, ça me paraît aussi logique. Et puis, je me sens plus légitime à aller à cet événement. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que j'ai la chance d'aller à tous ces événements. Parce que bah, je suis invitée par les maisons d'édition. Et donc, je les remercie énormément. C'est aussi grâce à vous. Parce que par le fait de suivre mon compte, de faire en sorte que mon compte soit actif, etc. Même si quand on voit dans les personnes qui sont invitées, c'est pas qu'une histoire de nombre d'abonnés ou d'actifs, etc. Mais bon, il y a ça. Puis je me sens aussi légitime par rapport à un peu plus légitime par rapport à ça. On parlera éternellement du syndrome de l'imposteur. Et puis, y a aussi le fait que j'habite pas si loin que ça de Paris. Et je n'habite pas dans Paris. Bien sûr, je fais pas partie des gens qui, à la fin de la soirée, disent « Oh, trop bien, c'est dans mon quartier !» Ah non. Non, 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 aucune soirée pourrait être dans mon quartier. Je n'habite pas à Paris. Mais j'habite pas si loin que ça et c'est faisable pour moi. Voilà. Après, j'ai discuté avec des gens qui m'ont dit « Oh, tu te rends compte, moi, je peux pas faire toutes les soirées comme toi parce que j'habite trop loin. » Et en fait, je me suis rendu compte, en échangeant, on s'est rendu compte que j'habitais un petit peu plus loin que les personnes en question. Mais voilà, après, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Mais bon, voilà, faut savoir que derrière les soirées littéraires, il y a tout ça. Et parfois, bah, en fait, quelqu'un peut être invité, n'a pas forcément une grosse communauté, ne lit pas forcément l'auteur, mais la personne habite dans Paris communique bien et voilà, bref. Et donc, c'est pas la même chose que quelqu'un qui aurait une communauté plus importante, qui serait totalement fan de l'auteur, mais qui habite très très loin en fait. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça, etc. Voilà, mais ça fait partie un peu des dessous des événements littéraires que vous voyez pas forcément, etc. Voilà, bon, c'était beaucoup de blabla. Je sais pas si ça vous intéresse ou pas. Voilà, et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Niveau lecture, j'ai lu mercredi après-midi. Je ne travaille pas les mercredis après-midi, mais plus pour très longtemps. Après, je vais reprendre un mercredi après-midi sur deux. J'ai lu ça. Quand je l'ai reçu dans la boîte aux lettres, j'ai été hyper émue.
hyper émue de recevoir le nouveau livre d'Alexis Leibsker aussitôt avant la sortie, puisque je l'ai reçu le 11 mars. Et il sort le 21 mars. Donc très émue, je m'y attendais pas. Dès que j'ai pu, je l'ai lu, je voulais le lire d'une traite. Donc il fallait que ce soit soit un mercredi après-midi, soit durant un week-end. C'était pas la priorité. J'ai d'autres livres à lire. Il y a d'autres livres où je me disais, ah tiens, celui-là, ce serait bien pareil que je le lise d'une traite, vu le nombre de pages, vu que j'aime bien l'autrice et tout ça. Et du coup, bah, j'ai mis de côté parce que Alexis Leibsker, c'est vraiment un auteur que j'adore, que j'adore, que j'adore. Et donc, je l'ai lu. J'ai relevé des citations, ce qui est beaucoup hein, pour moi. Relever autant de citations dans un thriller comme ça, c'est pas mal. J'ai beaucoup aimé. J'ai eu la chance d'échanger avec l'auteur durant ma lecture. J'avais déjà fait ça l'année dernière. Donc vraiment, je dis, écoute, voilà. J'ai lu tant de pages. C'est trop bien. je pense ça, ça et ça. Et puis après, je dis, écoute, j'en suis à plus de la moitié. Mes pistes pour l'instant, c'est ça, ça, ça. Mais ça, je ne sais pas si je dois y croire. Mais ça, et voilà. Donc, merci pour tes retours. Après, il me dit, et ça, t'en penses quoi à la moitié du livre? Et ça, ce truc-là, t'en penses quoi? Je sais pas, c'est peut-être un piège, je sais pas. Et donc voilà, puis après j'ai terminé, puis j'ai envoyé un petit message. Bon, voilà, c'est... Bon, Alexis Leibsker, je le vois assez régulièrement dans les salons, c'est toujours hyper chouette d'échanger avec lui et tout ça. J'adore, il m'avait montré sa couverture avant et tout. Enfin, bon, c'est... Voilà, c'est un auteur que j'apprécie beaucoup, que je vois assez régulièrement, que je connais un petit peu. Et ça, c'est génial avec Instagram de pouvoir échanger avec lui. Moi, c'est en plus un auteur que j'admire énormément. Déjà, ce qu'il écrit, c'est super bon. Et alors quand vous avez lu les trois premiers, vous pouvez voir la palette en fait, ce qu'il est capable d'écrire. Et c'est assez large en fait. Et il continue à travailler derrière, il dirige une salle de jeu et tout, et là il a été hyper réactif sur Instagram, enfin voilà, moi je suis très admirative. Mais alors ça va rejoindre quelque chose que Sophie Talman a dit pendant à Babelio, où quelqu'un lui a dit, voilà, vous êtes neurologue, parce que Sophie Talman est neurologue, vous faites comment pour gérer vos journées? Et donc, elle a expliqué comment elle faisait. Elle a trois enfants, elle a donc l'écriture, elle est neurologue. Elle explique que si elle devait abandonner quelque chose entre l'écriture et être neurologue, ce serait l'écriture. Voilà, neurologue, c'est... Elle dit, j'ai deux métiers passion. J'ai pas fait autant d'années d'études pour arrêter le fait d'être neurologue. Elle dit, j'ai plein de patients. Je pourrais pas arrêter par rapport à eux, etc. Et donc, voilà, il y a ce côté-là. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'adore. Alors, je suis aussi admirative des auteurs qui en font leur métier, qui ne font que ça, entre guillemets. Mais il y a des auteurs qui ne sont que auteurs, qu'on voit dans 50 000 salons, qui sortent un livre par an exactement à la même date, qui arrivent à... Enfin, qui font des livres excellents, qui ont un succès de fou, qui sont toujours disponibles, qui sont à droite à gauche, dans plein de pays différents. Enfin, voilà, moi, je suis aussi hyper admirative de ça. Enfin, en fait, je suis admirative des gens qui travaillent. Voilà, voilà. Donc, soit qui travaillent parce qu'ils sont auteurs et à fond, à fond, à fond, à fond. Il y a des auteurs, je pense notamment à deux auteurs de polar, Franck Tillier et Bernard Minier, qui sont mes... hyper bosseurs, et même dans les salons, on les voit, enfin, ils sont là à l'heure dans les salons, mais alors ça, c'est pas donné à tout le monde, hein. Tous les auteurs ne sont pas à l'heure, ils sont là à l'heure dans les salons, ils dédicacent à fond toute la journée, etc., et le lendemain, et ils recommencent, et c'est... Et ensuite, ils sont à droite, à gauche pour faire se renseigner sur leurs livres, pour gratter tel et tel sujet. Enfin, voilà. Moi, je suis vraiment admirative des gens qui travaillent. Je suis encore très naïve. Pour moi, on n'a pas rien sans rien. C'est pas vrai. C'est pas comme ça. Ça fonctionne. En plus, je vous parle de tout ça sur YouTube ou sur Instagram. Mais c'est vraiment pas comme ça que ça marche, hein, sur ce style de réseau. Mais moi, je suis admirative de ça, voilà. Et donc, les gens qui ont en plus 50 000 vies, alors certes, ils vendent pas autant de livres que Franck Tillier et Bernard Minier, mais 50 000 vies avec un travail à côté, etc., je suis aussi admirative. J'aime ce côté cumul, ça m'inspire énormément. J'ai une vie un peu comme ça, où je vais cumuler plusieurs choses et tout. Et là, quand Sophie Talman parle du fait qu'elle ait trois enfants,
Oui, c'est mon cas aussi. Du fait qu'elle adore son travail principal. Oui, c'est mon cas aussi. Du fait que, voilà, et tous les soirs, en fait, elle écrit. Ben, alors, moi, je suis plutôt dans la lecture, puis je vais partager sur le tricot, sur. Et puis, voilà, enfin, après, via des vidéos, via des partages Instagram, etc., etc. Et du coup, c'est sûr que j'ai pas la notoriété de Sophie Talmen, je suis pas neurologue, j'ai seulement un bac plus 5 et pas un bac plus je sais pas combien. Mais y a des choses que je comprends totalement et ce côté où, enfin, voilà, pour moi c'est, enfin, j'admire ça, je trouve ça hyper inspirant et en même temps c'est aussi une partie de ma vie et quand je vois des personnes comme ça, je me dis mais comme quoi, enfin, voilà, je suis pas toute seule et puis c'est bien aussi de cumuler 50 000 trucs et voilà. Et d'autant plus quand, quand derrière, je peux avoir des discussions avec des gens qui sont pas du tout comme ça, qui sont débordés alors qu'ils font la moitié, etc. Et ben, du coup, j'ai toujours un doute, enfin, où je me pose toujours des questions aussi sur moi-même, mon organisation et tout. Et de voir des personnes qui cumulent, qui l'assument et qui l'assument sans en être fière, en fait, c'est normal, c'est leur fonctionnement. Et même si on vient nous titiller en nous disant, ah, c'est parce que t'es hyperactif, ou ouais, enfin, c'est parce que t'es jamais satisfaite de ce que t'as, oui, mais c'est. Eh ben, on balaye ça, en fait. Et voilà. Tout le monde est différent, mais qu'on nous laisse tranquille, faire ce qu'on veut. Et moi, du coup, je m'inspire de ça. Enfin, vraiment, ouais, j'aime les personnes qui cumulent et qui essayent de réussir, entre guillemets, sur plusieurs tableaux. La réussite est totalement quelque chose de personnel, etc. Enfin, les critères de réussite sont différents pour chacun et c'est pas une histoire de réussite être le premier ou je ne sais quoi. C'est plutôt la réussite peut être aussi de l'épanouissement. Enfin voilà. Wow, ça devient philosophique ce vlog. Enfin voilà, bref, ça joue aussi du coup la soirée de Sophie Talmen parce que vraiment ce qu'elle a dit m'a beaucoup inspirée. Surtout au moment où elle l'a dit, où je venais d'avoir une discussion. Enfin, voilà, bref, c'est tombé pile au bon moment pour me rappeler que. Bah, ce que je fais, ouais, je suis peut-être pas, je donne peut-être l'impression de ne pas être satisfaite de ce que j'ai, mais fiche-moi la paix. Et regardez, je suis pas toute seule. Et puis là, Alexis Livesker, sa disponibilité en message, alors que il est super pris, qu'il fait 50 000 trucs et tout avec brio, j'en étais d'autant plus touchée. Et donc, pour terminer, je vous dirais que je lis ensuite Les 7 cadrans d'Agatha Christie. Pour le challenge Red Christie de ce mois-ci, je lis avec Ludivine des lectures du chapitre et puis bah, on a organisé une lecture commune. C'est une sorte de suite du Secret de Chimnès. J'ai juste commencé, j'ai vraiment pas lu grand-chose, j'ai lu les 4 premiers chapitres et j'aime déjà beaucoup. C'est quand même pas les Agatha Christie habituelles, c'est assez dynamique, assez frais. Je parle de mon autrice préférée, je vous dis c'est pas les Agatha Christie habituelles, je vous dis que des trucs bien. À croire que les Agatha Christie habituelles sont lents et assez ennuyeux, non pas du tout, mais j'aime bien, voilà. Pour l'instant j'aime bien. Voilà, je vais m'arrêter là. Écoutez, je vous souhaite de très bonnes lectures, on se retrouve très vite. Je pense que là on était sur un vlog un petit peu court, mais... J'arrive aussi à continuer mes 3 vidéos par semaine et mon emploi du temps assez riche en plein de choses. On se retrouve très vite. D'ici là, bonne lecture et puis bah, portez-vous bien. Voilà, à bientôt!